3, 2, 1 et yosh la famille. J'espère que vous allez bien, c'est la Degré Motive. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est en direct de Sekinchan. Sekinchan. Et Barambat. Barambat. Ok. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, il nous a vu dans les rizières en train de faire nos plans. Il s'est arrêté, il est super gentil. Donc on est parti sur un trip à la journée de Kuala Lumpur, 1h30 de route. Et on est venu se balader dans les rizières. Regardez, c'est extraordinaire. Le décor est juste à couper le souffle. On ne savait même pas qu'il y avait des rizières en Malaisie. Bah maintenant, on le sait. Et j'espère que cette vidéo va vous plaire. Marevan. Marevan, c'est notre pote du jour. Ça, c'est Titi. Ça, c'est maman. Ça, c'est Tilia. Et j'espère qu'on va passer une bonne journée. Ok, Bagus. Bagus. Donc voilà la team. Vous l'avez vu. Bon, notre pote, il était là. Il était tellement content d'être sur la vidéo qu'on devait faire l'introduction avec lui. Donc, je reprends les informations. Donc, on est parti à la journée pour vous montrer au moins 8 choses qu'on peut faire sur Sekinchan. En tout cas, la petite balade dans les rizières, vous pouvez louer des vélos. Ça, c'est cool. Location de vélo, vous pouvez vous balader franchement. Il y a moyen de faire une journée de titan. Ce qu'il y a, c'est qu'il fait chaud, très très chaud. Bienvenue sur le point numéro 2 de ce top. On est au beau milieu des rizières, vous l'aurez compris. Et qu'est-ce qu'il y a à faire? On vous a dégoté un petit plan sympa, hors sentier battu. Si vous avez envie de vous faire plaisir, il y a ce qu'ils appellent ici le paddy box. Alors le paddy box, c'est quoi? C'est un bus posé sur un conteneur, un bus où vous pouvez boire un café. Et aussi juste à côté là, vous avez le paddy box, c'est une guest house. Vous pouvez dormir dans les conteneurs. Donc bon, c'est quand même assez cool d'être là, posé au milieu du champ de riz, tranquillement, voilà, au calme. Je trouve ça plutôt cool, ça permet de changer un peu. Il y a un petit chien qui arrive juste derrière nous, on va se barrer au courant. Donc voilà le fameux paddy box, il est juste là. Je vous montre l'endroit, c'est assez stylé. Si vous voyez, je vous filme quand même les prix. C'est pas très cher pour 4 personnes, on est sur du 198 ringgit en week-end et 158 en semaine, donc pour une famille de 4, ça fait 40 euros le week-end, donc c'est vraiment correct. Hein. Malheureusement, on va pas pouvoir rentrer dans les conteneurs, c'est marqué juste guest only, il faut faire un checking. Bon, évidemment, nous, on est parti ce matin de Kiel, donc on l'a pas fait. Donc par contre, évidemment, si le concept vous plaît, je vous laisse aller checker la chaîne de mon pote Discover Evolution. Il a dû faire une vidéo de 3 minutes sur le paddy box à Sekinchan. Vous verrez, il a dormi à l'intérieur, vous verrez un petit peu comment c'est assez cool, donc je vous laisse aller checker sa chaîne. Je vous mets le lien en description, évidemment. En tout cas, j'aime beaucoup le concept, vraiment très, très, très joli. Bah, ça change un peu, quoi. On est parti, on va aller prendre un petit, une petite boisson dans le bus, là, parce qu'il fait une chaleur, mais il fait chaud. Très chaud? Ah ouais, moi aussi. Hein. Nos visiteurs, photographie, customer only. Ah bah voilà, si vous le voulez, les gars. C'est 15 ringgit minimum. Et voilà la team, on vient d'arriver dans le bus avec Titi. Et Georges, évidemment, Georges est dans le bus. On a une vue démentielle sur les rizières. Franchement, c'est trop cool. Ça fait grave plaisir. Vous l'avez compris, il faut, pour venir dans le bus, dépenser minimum 15 ringgit par personne. Donc, ça fait 3 euros. Ça va, hein, on n'est pas sur 15 euros sur les Champs-Élysées. Mais voilà, bon, on va prendre un petit gâteau. Puis surtout, à boire. Ouais, alors il n'y a que des gâteaux, Titi, il n'y a que des cheesecakes et des boissons. On va se prendre une petite boisson, puis après on ira manger des fruits de mer sur le port, là-bas à Redang Beach. Petite ambiance chill dans le bus, franchement, c'est très joli. Regardez, hop, elle prépare son petit thé, là, magnifique. Voilà. Oui, Titi. Il n'y a rien pour moi, donc papa, il m'a donné un petit peu de coca. Un peu de coca? Hé, Titi, il ne faudra pas le dire à maman. Hein. Elle veut pas. Bon voilà, on est bien avec Titi, on vous laisse, on se retrouve tout à l'heure pour un repas. Voilà la team, on est arrivé, on a fait quoi, 5 minutes de voiture depuis la paddy box, on est à Redang Beach. Donc là, le point numéro 4, c'est évidemment de venir manger des fruits de mer au restaurant. Vous l'avez compris, la zone, vous le sentez, ça sent le poisson. Alors franchement, je ne vais pas vous dire que ça sent bon, ça pue, on va pas se mentir.
Mais néanmoins, on nous a recommandé un restaurant qui est assez fidèle, à peu près clean dans la zone. Il est juste derrière moi. Ça s'appelle le... Voilà, on est juste devant. Vous voyez le Long Wa restaurant. Donc on va aller tester les fruits de mer. Et puis on va voir, on a pris un petit sandwich triangle de sécurité pour Titi parce que bon, c'est pas sûr que ça marche. Quoi. Allez, vas-y, on rentre dans le restaurant. On est là. Bon, vous avez vu, hein, c'est très... On est vraiment devant les bateaux. Hein. Donc là, on s'est pris une petite table là. Voilà, on va nous mettre là ou là, là ou là, je ne sais pas. Alors là, on a juste... Et c'est pour ça que ça sent. Mais alors, c'est un... Ouais, c'est un polluard, Titi. Ouais. Tu le vois, le polluard, là? C'est comme dans la chanson. Tu te rappelles? Ça fait comment? Ça fait comme ça. C'est... polluard. Regarde l'oiseau sur la branche, là. C'est juste là. Là, 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 là. Waouh! Ah, il est parti. Franchement, la team, je vais pas me mentir, ça sent très, très fort. C'est... bon, on va dire que c'est de l'iode concentré avec de l'iode. Vous les avez tous vus, j'ai regardé des vlogs de locaux qui venaient manger là, ils sont flammes, oh les sifoud, les machins. Enfin, déjà quand ça sent le poisson comme ça. Non mais déjà même les locaux ils disent que ça pue. Même les locaux ils disent que ça pue, alors imaginez-nous. En tout cas on va tenter l'expérience, mais alors ça va être coton. On va essayer de ne pas se mourir intoxiqué pour la vidéo. Allez, on va commander. Classique, vous la connaissez celle-là, ils nous mettent les cuillères dans l'eau chaude pour. Tu sais pourquoi faire ça? C'est pour désinfecter, pour être sûr qu'il n'y a pas de microbes. Avec ça, je pense que t'es pas mal du tout. Là, il y a toujours l'ail avec la sauce soja, comme toujours. Et là, le menu, donc bah, il y a du crabe, il y a des trucs pas mal. Bon, évidemment, tout est en chinois, et là, sur la partie chinoise, la partie en anglais ici. Il y a des photos, donc ça va. Par contre, il n'y a pas les prix. Alors ça, bon... Vous voyez marqué pigeon, là. Pigeon. Bon, c'est comme ça, hein. Bah bon. On a attaqué, on a commandé de la sucre de canne fraîche. C'est du jus de sucre de canne frais. Donc, tu vois vraiment les sucres de canne, ils les broient en fait et puis ils font le petit jus. Allez, goûte-nous le petit sucre de canne, c'est tout. C'est bon ou pas? Non? Ben, je vais le boire moi alors. Moi, avec les enfants, c'est j'aime ou j'aime pas. Hein. Moi, je veux bien goûter. Donc, la team, ben voilà, regarde, le petit sucre de canne, Tilia. Papa, il goûte? Moi j'aime bien, moi. Ça a un goût, bah, c'est sucré, hein. Mais ouais, c'est frais, c'est vachement bon, ça fait du bien. En temps de grosse chaleur, franchement. Très bien, naturel, parfait. Ah voilà, ça vient d'arriver. Bah, elles ont l'air bonnes ces petites coques là. Donc ça c'est les lala, ça c'est les petits sautons grillés. Bon, donc voilà, on est parti, les petites coques là. Avec le petit morceau de gingembre. Je vais me prendre quelques sautongs. Ça, je sais pas si vous aimez, alors ça c'est la petite sauce en général. Ouais, ça arrache quand même. Moi c'est pas ça que j'aime bien. Le plus que j'aime bien moi, vous montrer le mélange typiquement fait par les Chinois malaisiens. Donc, c'est la petite sauce soja là, tac, voilà. Petite sauce soja. Et après, vous venez prendre les petits piments là. Alors ça, ils adorent ça. Voilà, vous en mettez un peu, pas trop. Et vous finissez par une bonne cuillère d'ail. Bon, vous faites pas ça en rendez-vous amoureux, évidemment. Voilà. Voilà, là on est bien, on est installé, on est nickel. Je vais goûter ça. Ça, c'est bon. Bien frais. Je t'aime bien. C'est les petites coques, là. Là, on est bien. Petite coque trempée dans la petite sauce qui arrache. Et voilà la petite dernière pour la route, les crevettes qui viennent d'arriver. Et là, full house, on est complet. Un bon repas. Même Tilia, elle goûte. Tu goûtes quoi? Du riz? Ah, le riz, je me suis dit. Non, pas les pommes. C'est Varan de l'espace qui vient de sortir de là. Et il y en a un autre là. Il y en a un autre là. Là, waouh. Il est moitié dans la vase et tout, c'est dégueulasse. Regarde celui-là là. Oh là 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 là. Taille du bousin quoi, mon dieu. Eh ben vous avez intérêt à avoir le corps accroché si vous venez là quand même. Je veux rien dire. J'aime bien vendre du rêve, mais alors là bon, vu la photo que j'ai devant les yeux là, c'est quand même compliqué. Là. Ah ouais, il y a les bébés et tout derrière. Oh là là, ça. Incroyable. Franchement, je vous le dis, j'ai plus faim.
Ça va être psychologique, mais j'ai plus faim. Je sais pas. Là, ça m'a... Entre les plastiques, le varan, les bouteilles, l'odeur, là, je suis arrivé là, j'ai... Pour la vidéo, tu sais, on fait des efforts pour la vidéo, hein. Mais là, tu vois, c'est là, au-dessus de moi, là. Là, je... C'est bon. Allez, rideau, prochaine étape. Ouais, voilà la team. J'ai payé 85 ringgit, donc au Longuois. Ça fait 18 euros, grosso modo, pour nous trois. Bon, ça fait 6 euros par personne, c'est pas très cher. Honnêtement, le débrief, c'est que la bouffe était pas mal. Par contre, on nous l'avait recommandé parce que c'était un des restaurants les plus propres de la zone. Bon, on va pas se mentir, j'imagine pas les autres, quoi. Voilà. Après franchement, la nourriture, c'était pas trop cher, c'était bon. Ça fait le taf, quoi. Mais ça dépend de votre échelle interne. Vous savez, cette échelle qui vous fait peur quand vous venez manger des fois en Asie à l'autre bout du monde. Ou si vous êtes plutôt palace 5 étoiles, ça dépend. Moi, ça passe. Et vous, est-ce que vous pouvez manger ça ou pas? C'est même pas ça, je crois que c'est les odeurs et la vue derrière sur le port dégueulasse. Allez, let's go, on retourne sur le port de Redang maintenant pour le point numéro 5. Et voilà la team, on est parti sur le point numéro 5 de notre top. On est sur la plage de Pantai Redang, bon, bien loin du bleu paradisiaque de Redang évidemment, mais petite plage sympa avec des petites cabanes dans les arbres et on va vous amener voir un arbre très spécial. Un arbre qui est très apprécié ici dans la communauté chinoise et même malaise, parce que c'est un arbre pour faire des souhaits et des vœux. C'est tous des coquillages, ça. C'est des coquillages qui ont été ramenés par la mer. C'est 100% calcaire quasiment. Tu vois ? Voilà la team, l'entrée du port juste derrière moi. On y est. Il n'y a pas grand monde. Bon voilà. C'est tout. On va voir l'arbre des souhaits. C'est pour ça qu'on est venu, pas spécialement pour la mer. Allez, c'est parti Titi, je vais faire mon vœu. T'es prêt? Je vais le jeter en l'herbe. Ok, t'es prêt? Vous êtes, tout le monde est prêt? On va essayer d'accrocher dans l'arbre. Attention, à la une. Et à la deux. Et à la trois. Et voilà, il s'est accroché là-bas. Mon vœu, il va se réaliser. Il a accroché là-bas sur le... Il a trouvé le moyen de s'accrocher sur un tuyau. Improbable. Allez, à toi Titi, t'essaies de le jeter. Très haut. Vas-y, très haut. Ça va être dur, hein. Oui, il s'est accroché là, Titi. Bravo. Voilà, tous nos souhaits et vos souhaits vont se réaliser. On pense bien à vous en cette année 2021 de Covid. Vous l'avez compris la team, on est parti à la Paddy Gallery, donc l'usine de fabrication de riz. On peut la visiter, donc c'est évidemment notre point numéro 6, au beau milieu des champs. Là derrière moi on voit l'usine en plein process. Il y a des parties qui sont fermées à la visite, mais il y a des trucs sympas quand même. Titi, ça s'appelle un pont bascule. La voiture, elle vient sur le pont, elle charge du riz, il pèse la différence, et à la fin là-bas sur la bascule, tu viens payer ton riz au kilo. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Comme dans une usine en fait. Et voilà, il est parti, il a chargé son riz. Ciao! Allez, rendez-vous au Paddy Fun. C'est ici qu'il y a la petite démonstration. Ils expliquent un peu comment le riz est fabriqué avec les différentes couleurs de riz, les différents stages de fermentation et de pousse. Donc on va voir ça. Ici, c'est un riz qui est très jeune. Tu vois, c'est un riz qui est très jeune. Ils viennent juste de le planter, il est mis là. Après, ça pousse pendant plusieurs semaines, plusieurs mois.
Après, il grandit et ça se passe comme ça. Une fois qu'il est grand comme ça, voilà, il est presque bon. Mais il n'est pas encore tout à fait prêt, il est encore un peu vert. Après, là-bas, l'étable du fond, il faut qu'il soit bien jaune. Et après, ils vont venir récolter le riz. Viens, on va voir. J'ai ouvert avec les ongles. Maman, elle a réussi à filmer. Elle a réussi à ouvrir. On voit le petit grain de riz dedans, tu vois. Il faut vraiment ouvrir tout doucement. C'est joli, hein. Titi est très appliqué. Il essaye de récupérer son petit grain de riz à l'intérieur de l'écorce. Ça, c'est les écorces. Le riz a été enlevé, il reste plus que les écorces dans ce tas-là. Bon, le point numéro 7 de cette vidéo, on est parti chez Mango King, le roi de la mangue. Petite tradition pour 4 heures, prendre un petit goûter au roi de la mangue. Apparemment, il y a du choix en pagaille. Bon voilà, l'autre team, le petit smoothie mango, petite glace, ouais, c'est plutôt presque un. Comment ça s'appelle, un granité presque à la mangue. Franchement, c'est très bon. À part le fait de sucre, qui est un peu chelou. Dedans là, c'est magnifique. Très très bon. Ça rafraîchit. On va prendre l'orage des 4 heures, mais c'est pas grave, on fera avec. Et voilà, à une encablure juste du roi de la mangue, on est parti. Chez Ama House, une maison très sympathique, et ce sera notre point numéro 8 pour terminer la journée tranquillement. Petite maison traditionnelle chinoise en bois. On va aller faire un petit tour avant de rentrer sur Kuala Lumpur. Voilà, tranquillement, on arrive devant Ama House, le numéro 8 de ce top. Hein, rien. Voilà, c'était une maison traditionnelle autrefois. Bon, rien de foufou, hein, honnêtement. C'est juste pour acheter une petite boisson avant de partir. Vous voyez derrière moi la maison avec le vieux poste, le vieux téléphone, les vieilles radios. Voilà, bon, on va pas se mentir, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais ça m'a permis d'acheter un sans plus pour la route avant de repartir. Il y a quelques anciennes machines de peser et autres. Donc voilà, tout simplement. Regardez-moi ce poste de télé assez old school. Vous voyez la télé comme elle est vieille celle-là. Faut pas toucher. Hein. Donc voilà. C'était pour conclure, et on se retrouve dehors pour conclure ce vlog tranquillement. Voilà team, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était notre top 8 en direct de Sikinchan dans les rizières malaisiennes à 1h30 d'heure de Kuala Lumpur. Il y a des oiseaux qui nous font une tête. Voilà, et une espèce de tour là-bas, ils ont foutu les oiseaux pour effrayer les, je sais pas, les, genre des gens qui s'attaquent aux riz, hein, des vautours de nuit. En tout cas, nous on a passé une belle journée. Timéo, qu'est-ce que t'as appris aujourd'hui? J'ai appris que ça fait ça. Quand ils sont prêts, et ben on peut enlever. Après, il y a des petits grains de riz. Du grain de riz, voilà, on a vu la culture du riz, comment ça marche, voilà. Tout simplement, merci pour votre fidélité à tous. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo comme toujours. Si vous venez en Malaisie, vous passez par les services de Dédine, elle vous fera un tour sur mesure évidemment à la carte. Rien que pour vous, n'oubliez pas quand ça va redémarrer tout ça. Ça permettra de la faire vivre et de toucher ses mensualités de retraite. Voilà. En attendant, c'est la crise, mais on fait ce qu'on peut. On vous embrasse. Un bisou. Bisous. Un partage. À très bientôt. Tilly adore dans la voiture. Enfin, oui. Ou pas. On sait pas. J'ai mal les genoux. Oh.